Le jour, je me suis acheté du chewing-gum dans un magasin. Je dirais pas lequel, parce qu'après, on va me dire, ouais, placement de produit, tout ça. Bon, c'était des Hollywood. Jusque-là, rien de très exceptionnel, c'est assez classique. Sauf qu'il y a marqué 60 minutes de fraîcheur. Voilà, vous pouvez vérifier, c'est véridique, hein. Alors, au début, je me suis dit, c'est le gentil petit chewing-gum qui pique doucement, quoi. Ah, bah non. Ah, je peux dire que les deux premières minutes, j'avais l'impression qu'on m'avait vidé un bidon d'essence dans la bouche et qu'on avait allumé, quoi. Ah, je me suis senti partir, là, j'ai décollé. Mais après, ça va, c'était plutôt bon. J'ai remarqué quand même, il y a un certain malaise autour du chewing-gum. Bah oui, parce que quand tu proposes un chewing-gum à quelqu'un, moi, je le fais toujours par politesse, tu vois. J'ai pas envie qu'on se dise, Ah ouais, d'accord, le mec se sert un chewing-gum devant moi et il m'en propose même pas, quoi. Non, du coup, dès que je me prends un chewing-gum, j'en propose à quelqu'un d'autre. Sauf que proposer un chewing-gum à quelqu'un, surtout quand c'est le parfum menthe forte, ça sous-entend vraiment que la personne pue de la gueule. Et en même temps, si t'en proposes pas, tu passes pour un énorme égoïste. Du coup, moi, je fais en sorte que les gens demandent. Bah, quand je me sers un chewing-gum, je le sors bien discrètement de ma poche. C'est bon, personne en veut, ça je peux me servir égoïstement, tout va bien, voilà. Et même revenons-en au principe de base, tu peux avoir envie d'un chewing-gum comme ça pour te détendre. Sauf que les gens qui te voient manger du chewing-gum H24, ils finissent forcément par se dire oh là là, lui à mon avis, il doit avoir la laine d'un chameau. C'est hyper gênant au niveau de ton image. Bon après moi je suis le dernier à me soucier de ce que les gens pensent de moi. Et pour les gens qui y font très attention, ça peut être très embarrassant. À propos du chewing-gum, je m'étais posé une question. Qui est le mec qui a inventé ça? Y'a vraiment un mec qui s'est dit un jour, tiens, on va inventer des petites boules, qui suffira de mettre dans la bouche, croquer dedans, mâcher, petit à petit ça deviendra mou, il faudra juste en extraire le jus et après faudra le recracher. À l'époque où ça existait pas, moi j'aurais trouvé ça complètement débile. Que monsieur chewing-gum aujourd'hui doit rouler sur l'or, hein. Comme quoi si un jour vous avez une idée qui vous paraît absurde, et ben n'hésitez pas à la lancer, elle vous rendra peut-être millionnaire. Sinon je tenais absolument à vous remercier pour les 5000 abonnés sur YouTube, c'est tout simplement énorme. Vous remarquerez qu'à l'occasion j'ai un peu redécoré ma chambre avec plein de bocs de bière. Alors non, je ne suis pas alcoolique et j'aime beaucoup la bière, mais je suis pas alcoolique. Ma mère vous dira que c'est synonyme d'être alcoolique. On a eu plein de débats là-dessus, on n'est pas tellement d'accord. En tous les cas, je trouve que ça comble un peu ce vide blanc qu'il y avait avant. Bah dites-moi ce que vous en pensez et je vais essayer, si le temps m'en laisse la possibilité, de vous faire une vidéo pour les 5000 abonnés et ce sera probablement une vidéo interactive avec vous parce que vous le méritez bien. Voilà, en attendant, portez-vous bien, je vous fais plein de poutous et à bientôt.